مساء الساعة الرابعة زوالا في ملعب 19 ماي بعنابة أرسن كروي آخر مرتقب في إطار تصفية كأس العالم لكرة قدم 2002 لقاء العودة بين الجزائر وجزر رأس الأخضر. عناصر المنتخب الوطني أغلبيتها تنقلت ظهر اليوم إلى مدينة عنابة أو كانت مستعدة للتنقل. التأخر كبير شهدته الرحلات الجوية إلى عنابة ظهر اليوم. المهم أغلبية العناصر موجودة. صيب موسى قد يغيب، تصفوت مصاب. أكثر تفاصيل مع وسيلة بطيش التي اقتربت من اللاعبين والطاقم الفني. réussi à regrouper tous les joueurs, tout ce qu'on voulait en France, on a réussi à les avoir. Les joueurs nationaux, c'est pareil. Donc là, on part pour 3 jours de travail sérieux. Faire en sorte qu'on se prépare bien parce que le match va être très très difficile. Je crois que les gens ont oublié qu'un match de football, c'est un match de football. Et ce match-là, pour moi, ça va être un tournant pour nous. Ça va être un tournant important. Vous avez aujourd'hui 4 professionnels. Vous avez Razi qui est un petit peu blessé, je pense. Et aussi Tassaout, on vient de le savoir. Donc... C'est les problèmes qu'on rencontre en fin de saison. Quand tu arrives au mois d'avril et que les gens ont joué plus de 60 matchs dans une saison et que les matchs sont placés comme ça en fin de saison, c'est sûr qu'on a ces problèmes-là. C'est pour ça que j'ai recruté. J'ai pris 21 joueurs dans le groupe. Et s'il faut, à la dernière minute, récupérer d'autres joueurs, on fera en sorte de récupérer ces joueurs-là. Mais pour l'instant, on va faire en sorte de les soigner et je pense qu'ils seront prêts quand même pour le match. Vous savez qu'il y a un nouveau président de fédération de football, il y a un nouveau bureau. Et que peut dire M. Nassa Sendjer juste après le match? C'est-à-dire, quel sera l'avenir de Nassa Sendjer? Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est encore à préparer ce match du Cap-Vert. Pour moi, qui reste un objectif important. Le résultat est pour le football algérien extrêmement important. Donc, il faut faire en sorte qu'on se qualifie. Ensuite eh ben, les personnes qui sont élues démocratiquement, on fera en sorte de les recevoir et de discuter, de voir les projets qu'ils vont proposer, ce qui va être mis en place, de voir si dans l'éventualité ça peut m'intéresser ou au contraire ça ne m'intéressera pas, je ne sais pas. Nous avons une mission donc à remplir sur ces deux matchs, en espérant qu'il y aura la qualification au bout. Et puis ma foi, M. Kezal prend ses fonctions officielles à partir de jeudi, donc je pense qu'on se verra certainement après le match du Cap-Vert. Quel que soit le sort qui nous réserve, j'en veux à personne. Quel que soit le sort. Et puis j'attends rien. Je le dis honnêtement, je n'attends rien. On nous a appelés, on est venu, on a rendu service. Maintenant qu'on nous critique, qu'on dise ça et ça et ça, maintenant ça me passe au-dessus de la tête. J'ai fait mon devoir d'Algérien. Et surtout une chose, personne ne me changera, personne, je dis bien personne, je ne tricherai jamais avec le peuple. La bataille était le match aller. Qui est chef de Nasga, ou de toute façon, on a le match, le dernier match du championnat de France, Maroc-Serbe, où il y a une semaine encore de rééducation. Normalement, Inch'Allah, dès la semaine prochaine, je commence les entraînements et tout, mais cette semaine, parce que même, je ne pense pas qu'on va pouvoir jouer le match. Bah, la grande nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, Rani blessé. عندي بون باسكو تبليسيت نهار السبت في الماتش بون سي فري لحد ما درتش اكزامان غادي بالك نديرو اليوم حشيه ولا غدوه ان شاء الله مي جو بونس كو لا بليسيور سي ان بو سيريو فعلنا ان شاء الله الجمهور تاعنا يجي يعاوننا ان شاء الله ونديرو مقابله مليحه ان شاء الله ونفوزو بالمقابله وبريباري بيان الماتش هذا صرات لنا ديجا مع كينيا ان شاء الله ما تزيد تصرا لنا هاد الخطره ان شاء الله ام الشعب راه محتاج لهاد المقابله وان شاء الله نديرو اللي علينا باش نفوزو عليهم ان شاء الله Presque plus de 2 ans que je joue en équipe nationale, ça me fait plaisir. Je suis toujours content de retrouver le groupe où je retrouve mes frères. Alhamdoulilah, et d'avoir, quand j'écoute l'hymne national, et de faire plaisir à toute ma famille, à Hadjaj, Mostralem, tout ça, tous ceux qui me connaissent, et ça me fait plaisir d'être là. الموعد إذن المضروب بالنسبة للجمهور العنابي بدرجة الأولى لمساندة منتخبنا الوطني الجزائري هذا الجمعة ابتداء من الساعة 4 زوالا. المباراة ستكون منقولة مباشرة على غرار حفل الافتتاح والمباراة الأولى لمنتخبنا الجزائري لكرة اليد.